Et salut tout le monde, c'est Mustang et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui va être vraiment courte, il n'y aura pas de blabla dans cette vidéo. On se retrouve pour les résultats du concours spécial 500 abonnés que j'ai organisé il y a une semaine tout pile. Donc déjà, le concours est terminé, donc c'est clos, regardez, je l'ai marqué dans le titre, c'est terminé. Donc ça sert à rien de participer maintenant, même là, dans là c'est les résultats, donc ne participez pas en commentaire. Je le dis parce que dans mes précédents concours, il y en a qui m'ont fait le coup, qui ont dit « Oh cool, moi je participe pour ça », mais c'est terminé bonhomme, donc ça sert à rien. Il y aura d'autres concours, rassurez-vous, surtout que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens apparemment qui aiment League of Legends, il y a eu pas mal de participation pour le skin de, enfin les deux skins de Blitzcrank, donc je pense que lors des prochains concours, je vous offrirai, qui sait, 4-5 skins, 5 persos de League of Legends, le perso de votre choix. Je pense que ça peut faire un petit concours sympa, bien sûr il y aura d'autres trucs hein, pour contenter tout le monde. Et avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci, merci vraiment pour tous vos commentaires. J'ai vraiment tout lu, donc bien sûr pour l'instant j'ai pas répondu, parce que si j'avais répondu à 30 commentaires, ça aurait floudé à mort l'espace commentaire, et pour retrouver tous les participants, ça aurait été la grosse merde, mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur de lire vos commentaires. Moi quand je vous ai dit de laisser un petit message après votre participation, c'était genre merci, ou super de faire un concours, GG les 500 abonnés, enfin bref une petite phrase quoi, de 3 mots quoi. Et il y en a, vous voyez, vous m'avez écrit 4-5 lignes, et vraiment à lire tout ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc après, il y en a peut-être qui ont fait les faux culs pour essayer de gagner des points, mais ça marche pas comme ça. Vous allez voir comment ça se passe. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi mes précédents concours, donc j'utilise moi le site random.org. Alors le site random.org, ça se passe comme ça en fait. Par exemple, si pour le skin de Blitzcrank, il y a 20 personnes qui ont participé, donc on met hop, entre 1 et 20. Donc là, il faut savoir que la première personne et la 20e peuvent aussi être tirées au hasard. Bien sûr, c'est le site qui fait tout, c'est le hasard, comme le nom du site l'indique. Donc là, on fait générer. Et bah, vous voyez justement ce que je disais, là le premier aurait gagné, vous voyez. Ensuite si je refais, vous voyez le 13e aurait gagné, etc. etc. Du coup on va réactualiser. Hop, pour pas fausser le truc. Et donc il y aura un tirage qu'on va faire en dernier pour Assassin's Creed Libération. Et on va tout de suite faire le tirage pour les deux skins Blitzcrank. Alors pourquoi tout de suite les skins Blitzcrank? Tout simplement parce que déjà personne n'a participé pour les cartes de Duel of Champions. Je pense que personne ne joue à ce jeu ou ne s'y intéresse tout simplement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un de mes potes, je sais qu'il y joue, et je pense que je vais lui les donner, au moins ça fera un heureux. Donc déjà ce cadeau c'est réglé. Ensuite les posters Destiny. Donc il y avait 5 posters et vous avez été seulement 5 à participer, donc félicitations, vous avez gagné d'office, donc vous voyez la vidéo va être super rapide. Donc Dark Predator, Darkman, Noxus, Samos ou Samoth, je sais pas comment on dit ton pseudo, excuse-moi, et Blacko02. Contactez-moi tous via message privé sur YouTube, d'ailleurs tous les gagnants, contactez-moi via message privé YouTube. Je le précise bien, parce que vous pouvez me laisser d'ailleurs un commentaire là si vous voulez pour dire merci, cool, j'ai gagné, super, ah, dommage, j'ai pas gagné, je retenterai ma chance au prochain concours, enfin ce que vous voulez. Mais contactez-moi aussi via message privé, parce que je vais peut-être vous demander des infos un peu perso, genre votre adresse forcément pour les posters, etc. etc. Donc forcément c'est plus sympa de faire ça en privé. Donc voilà, donc pour les posters c'est réglé, et tout de suite on va passer au skin. Alors le premier gagnant, hop, va être... on va le voir tout de suite. Avant toute chose, je vais expliquer un truc. Par exemple, si, le numéro 4 gagne, Mathieu Way, je vais te supprimer de la liste, vous voyez, pour pas fausser le truc, et je referai un tirage avec seulement ceux qui restent. Comme ça, ça fausse vraiment pas le truc. Je préfère le préciser au cas où. Du coup, c'est parti. Donc là, entre 1 et 9. Comme vous l'avez pu le voir, ça peut prendre le premier comme le dernier. C'est vraiment de la moule. Et du coup, le premier gagnant du skin Blitzcrank est... le numéro 6. Alors, le numéro 6... Move on Trick 6 Move, ok. Donc tu as gagné, félicitations à toi. Hop, donc je vais te foutre ici, voilà. Je vais te supprimer par contre, pour pas fausser les autres résultats, comme je l'ai dit. On change les chiffres, voilà. Et du coup, vous n'êtes plus que 8. Alors, qui est le deuxième gagnant du Skin Blitzcrank? Le numéro 2, Avancube. Et ben félicitations à vous deux. Donc là, il n'y a pas de triche, hein, vous voyez, j'ai fait juste un montage parce que j'étais en train de m'étouffer, j'ai parlé trop vite. Du coup, donc on a vu qu'Avancube a gagné, donc félicitations à vous deux. Pareil, contactez-moi via message privé YouTube, que je vous explique comment rentrer le code, et déjà que je vous le file, tout simplement. Ensuite, et ben, on a déjà tous les gagnants, il en reste plus qu'un, celui pour Assassin's Creed Libération HD, qui est le gros lot. Du coup, c'est parti, donc là on prend entre 1 et 12, donc déjà ne vous inquiétez pas, je le redis, il y aura d'autres concours,
Bien sûr, je pense que maintenant je vais faire un même, pas forcément des concours, mais genre si je fais une vidéo pour présenter un jeu, je vous ferai peut-être même gagner. Comme je dis ça au pif, par exemple là, Stick It To The Man, j'ai fait un let's play, j'aurais pu faire une vidéo spéciale pour vous le présenter, un petit test, un truc comme ça, et je vais vous faire gagner le jeu. Je pense que ça peut être sympa de faire des trucs comme ça de temps en temps. Du coup, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas gagné maintenant, vous aurez d'autres chances de gagner. Rassurez-vous. Du coup, je vais un peu durer le suspense, mais c'est parti. Le grand gagnant d'Assassin's Creed Libération HD est... le numéro 8, Bidou Seb. Et ben félicitations à toi, Bidou Seb. Hop, on va copier. Hop, je te colle pour pas t'oublier, voilà. Donc félicitations à tous les gagnants, donc je redis, donc les gagnants, donc Bidou Seb, gagnant d'Assassin's Creed Libération HD, Poster Destiny, donc vous 5, hein, Dark Predator, Darkman, Noxus, Samos, Blacko02, et les gagnants des skins Biscrank, Move, Hendrix, Move et Havencube. Donc voilà, j'espère pas avoir trop écorché vos pseudos. Donc félicitations à tous les gagnants, merci à tous ceux qui ont participé, vos commentaires, comme je l'ai dit, m'ont fait chaud au cœur. Mettez pas un bloc de pouce rouge, oh putain, j'ai pas gagné, je suis deg. Même si je comprends, franchement, ça me fait chier quand je gagne pas au concours que je participe sur YouTube. Mais je vais essayer vraiment d'en faire plus souvent. Là, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu et ça me fait plaisir de partager avec vous comme ça, d'avoir vos commentaires. Du coup, moi je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Rassurez-vous, ça fait longtemps que j'en parle, mais ça y est, la vidéo est en chantier. Je peux même vous montrer, attendez, petit spoiler pour finir la vidéo. Hop, vous voyez, c'est le Dawa sur mon bureau. Parce que je suis en train de bosser sur la vidéo du Elgato, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment les finitions. Il me reste plus qu'à rajouter ma voix par-dessus. Hop. Donc là, il y en a qui s'en foutent, hein. Vous avez peut-être quitté déjà la vidéo. Mais il y en a, je pense que ça va intéresser. Allez, tu peux charger vite, ça serait sympa. Hop, voilà, vous voyez, là, j'ai tout fait le montage. Il y a plein de trucs découpés, etc. Ça vous explique comment enregistrer sur votre Xbox One et bien sûr, sur toutes les autres consoles. C'est vraiment, hein, j'ai essayé de faire une présentation, mais en même temps un petit tuto complet, et je pense que je ferai une FAQ, une foire aux questions, si vous avez vraiment plein de questions, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur le sujet. Du coup voilà, petit spoiler de ce qui va arriver la semaine prochaine, bien sûr il y a le let's play sur Beyond Good and Evil qui continue, il y aura plein d'autres vidéos, d'ailleurs vous pouvez spoil mon bureau, voir tous les jeux que j'ai, même s'il y en a plein qui sont cachés, regardez-moi ça. Hop, là il y en a plein, hop, voilà, vous avez rien vu, qui vont arriver sur la chaîne prochainement. J'ai vraiment envie de reprendre les vidéos, et surtout celles sur Xbox One qui vont commencer direct après avoir fini le truc du Elgato. J'ai même des tutos Xbox One qui vont arriver, ça je vous en avais même pas parlé. Du coup voilà, j'ai assez spoilé. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Moi je vous dis bonne fin de week-end à tous, et peace, et à très bientôt.